À présent, voyons le cas du modèle à grain rétrécissant. Alors, on va le comparer au modèle à cœur rétrécissant. Au niveau du régime chimique, eh bien, ça se passe de la même manière dans le modèle à cœur rétrécissant et dans le modèle à grain rétrécissant. Évidemment, il n'y a pas de diffusion dans les cendres, puisqu'il n'y a pas de cendres dans le modèle à grain rétrécissant, puisque le solide disparaît. Et puis, le modèle qui correspond au transfert externe, lui, va être différent puisque le rayon de la particule varie au cours du temps, au cours de la conversion du solide. La particule a une taille qui diminue. Et on va distinguer deux cas, le régime laminaire et le régime turbulent. Alors, premier cas, régime de Stokes ou régime laminaire. Dans ce cas-là, pour des grains sphériques, eh bien, le nombre de Sherwood il est constant, égal à 2. Et donc, on va avoir une relation directe entre la conductance de transfert externe et la diffusion. Et puis, donc, on voit qu'on a le rayon de la particule qui apparaît au dénominateur ici. Alors, si on développe les équations, eh bien, on va se rendre compte que le temps de conversion pour obtenir un taux de conversion donné, eh bien, il va avoir l'expression qui est indiquée ici, donc avec une puissance 2 tiers qui apparaît là. Et puis, le temps caractéristique de transfert externe, donc qui est détaillé juste en dessous, eh bien, on retrouve le R0 carré ici, qui vient en fait du R qu'on avait au dénominateur à cet endroit. Et donc, on va avoir ici une expression du temps de conversion complète en régime de transfert externe. Et vous voyez qu'on voit apparaître ici la diffusivité et non pas la conductance de transfert, tout simplement à cause du fait qu'elles sont reliées avec cette relation-là, et liées au fait que dans la corrélation de Rantz, eh bien, le Sherwood est constant. Voyons maintenant ce que ça va donner lorsque l'on travaille en régime turbulent. Alors, nous avons en régime turbulent pour des grains sphériques un nombre de Sherwood qui est proportionnel au nombre de Reynolds à la puissance 1/2, ce qui fait que la conductance de transfert externe va, elle, être proportionnelle au rayon de la particule à la puissance moins 1/2. Du coup, le temps de conversion d'une particule pour un taux de conversion cible va avoir une expression un petit peu différente. On va avoir notamment ici une puissance 1/2. Et puis, le temps de conversion complète en régime de transfert externe va aussi avoir une expression un petit peu différente. Il est proportionnel, donc de la même manière ici que le coefficient de transfert. On va avoir le rayon de la particule qui va apparaître ici à la puissance 3/2. Nous avons donc vu que lorsque l'on va travailler avec un modèle à grain rétrécissant, eh bien, il y a quelques différences avec le cas du modèle à cœur rétrécissant et aussi quelques similitudes.